Gournaisiens et Gournaisiennes, chers amis, bonjour. Je reviens une nouvelle fois auprès de vous afin d'aborder la question de la réquisition du gymnase et de l'avenue sur la ville des migrants. J'emploie à dessein le terme de réquisition. Quoi que vous en pensiez, la ville ne choisit pas les périodes où l'État décide de démanteler un camp de migrants. Une nouvelle fois, la ville se retrouve avec un gymnase et un stade réquisitionnés pour y accueillir des personnes dont on connaît les difficultés et les lieux de vie. Ayez l'assurance qu'à aucun moment les villes ne décident de ces moments, que ce soit pendant les vacances d'été, que ce soit dans une période de pandémie, dans une période de confinement. L'État décide de démanteler des sites et la préfecture organise sur les différentes villes qui peuvent être concernées. Il y a à peu près 8 villes dans le département qui sont concernées par la réquisition, qui sont des villes qui ne subissent pas la politique de la ville, subissent, entre guillemets, bien sûr. Pour le territoire, ce sont les villes du Raincy, ce sont Gournay, bien sûr, Vaujour, Coubron, les Pavillons-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, et j'en oublie peut-être encore quelques-unes, mais très peu. Donc oui, ce sont toujours les mêmes villes qui récupèrent au fil du temps, année après année, les réquisitions et ces personnes que nous nommons aujourd'hui les migrants. J'insiste parce que si nous avons, à cœur de faire en sorte que cet accueil soit le meilleur possible, nous ne décidons ni des dates, ni de la durée. La réquisition a lieu pour une période d'au moins un mois, renouvelable le cas échéant. Est-ce que ça tombera bien avec la fin du confinement? J'en sais strictement rien, mais sachez qu'on ne nous demande pas notre avis. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Donc nous ne sommes pas demandeurs de réquisition, mais en revanche, nous avons à cœur de faire vraiment notre possible pour que cet accueil se passe le mieux possible pour ces gens qui ont déjà un parcours et une vie fort, fort difficile. Il s'avère que les deux premières réquisitions se sont plutôt très très bien passées sur la ville. Elles se déroulaient, elles ont eu lieu à d'autres moments. Pour l'instant, il y a peu de difficultés de timing, mais il est possible qu'au mois de décembre, si le président de la République annonçait un déconfinement partiel, que nos enfants ne puissent pas reprendre les activités sportives comme c'était le cas au stade auparavant. Sachez néanmoins que le collège a organisé pour le coup des déplacements sur la base de loisirs de Champs-sur-Marne qui semble donner satisfaction. C'est un petit écueil qui a certainement de l'importance pour certains de nos enfants. Heureusement, ça ne durera pas, mais je compte sur vous pour que vous soyez en capacité de leur expliquer que parfois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Merci en tous les cas de votre compréhension et je compte bien évidemment sur chacun d'entre vous pour que cette période compliquée se passe au mieux. Merci et à bientôt.